Dans une paisible ville de bord de mer, une tragédie s'est déroulée un dimanche après-midi de 2002. Un appel de détresse au 911 a marqué le début d'une histoire qui allait bouleverser toute une communauté. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans son chalet, ce qui a déclenché une série d'événements qui ont conduit à une enquête pour homicide afin de découvrir la vérité. Krista Worthington est née le 23 décembre 1956 à Boston, dans le Massachusetts, de parents Christopher et Gloria S. Worthington. Elle a commencé ses études au Vassar College de Poughkeepsie, dans l'État de New York, avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Krista s'est fait connaître comme rédactrice de mode de premier plan, contribuant à diverses publications de renom, dont Women's Wear Daily, Harper's Bazaar, Vogue et le New York Times. Son expertise s'est étendue à la coécriture de plusieurs livres sur la mode, tels que Clothes, Scarves et Accessories. Son travail l'a conduite à New York, Paris et Londres, faisant d'elle une figure respectée de l'industrie de la mode. En 1997, Krista s'est installée à Truro, dans le Massachusetts, où son éminente famille de Nouvelle-Angleterre possédait plusieurs propriétés. Ce changement a marqué une transition entre le style de vie trépidant de New York et un environnement plus calme et serein. Parallèlement à sa brillante carrière, Krista a élevé seule sa fille Ava Worthington. En ce dimanche fatidique du 6 janvier 2002, un incident tragique s'est produit à Truro, dans le Massachusetts, lorsque Tim Arnold a passé un appel angoissant au 911 depuis le domicile de son ancienne petite amie, Krista Worthington. Il a dit à l'opérateur « Envoyez quelqu'un au 50 Depot Road. C'est Krista Worthington. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle est tombée ou quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'elle est morte. » Selon Tim, il s'est rendu au chalet de Krista à 16h30. Ce dimanche-là pour lui rendre une lampe de poche qu'il avait empruntée. Tim habitait à proximité et lorsqu'il est entré dans le chalet, il a fait une découverte terrifiante. Krista était allongée sur le sol du couloir, juste à côté de la cuisine, et Ava était à ses côtés. Tim a informé la police qu'il pensait que Krista était tombée ou avait subi un accident. La police arrive sur les lieux et trouve le corps sans vie de Krista. Cependant, il est devenu évident que sa mort n'était pas accidentelle. Krista a été retrouvée nue à partir de la taille, les jambes écartées, avec du sang sur le corps, en particulier autour du torse. Son visage portait des ecchymoses visibles et elle avait été poignardée une fois au niveau du poumon gauche. Une scène troublante s'est déroulée pendant que les enquêteurs fouillaient le cottage. La porte arrière menant de l'allée à la cuisine était ouverte et des signes d'effraction étaient évidents, la porte et le pêne dormant étant endommagés. Il semble qu'une lutte ait eu lieu à l'extérieur du chalet. La voiture de Krista était garée dans l'allée et entre la voiture et le chalet, la police a découvert divers objets, notamment des lunettes, une barrette, des clés et des chaussettes. Des traces de traînée dans la terre de l'allée suggèrent que Krista a été attaquée à l'extérieur de son chalet, puis traînée à l'intérieur, laissant une scène de crime effrayante et troublante. La police a trouvé les empreintes de mains ensanglantées d'Eva partout dans le chalet. Esses empreintes de mains ensanglantées ont été trouvées sur une cassette vidéo de Disney et il semblait qu'Eva avait essayé de la mettre dans le magnétoscope. Esses empreintes de mains ensanglantées se trouvaient également sur son gobelet et sur une boîte de Cheerios. Depuis combien de temps Ava était-elle dans le chalet avec le corps de Krista? À ce stade, la police n'en avait aucune idée. Le corps de Christy a été envoyé au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Des traces de sang séché ont été trouvées sous ses ongles et de petits morceaux d'herbe ont été découverts dans ses cheveux, sur sa tête et dans son pubis. Ces constatations ont renforcé la conviction de la police que l'agression s'était produite à l'extérieur du chalet. L'enquête s'est transformée en affaire d'homicide, le premier meurtre commis à Truro en 30 ans. Des tests ont confirmé la présence de matériel biologique masculin dans la zone génitale de Krista. C'est eux qui a conduit la police à penser que Krista avait été violée. Sachant que la personne qui l'a violée est probablement son meurtrier, l'accent est mis sur l'identification d'une correspondance ADN. En établissant une chronologie, la police a déterminé que Krista avait parlé au téléphone avec sa babysitter à 20h le vendredi 4 janvier.
elle avait un rendez-vous chez le coiffeur prévu pour midi le samedi 5 janvier, mais ne s'y est pas rendue et n'a pas prévenu de son absence. Cela a conduit la police à penser que le crime a eu lieu entre 20h le vendredi et midi le samedi. La présence de journaux non livrés au bas de son allée confirme cette hypothèse. Dans le cadre de son enquête approfondie, la police a interrogé des personnes qui connaissaient Krista ou qui s'étaient rendues à son domicile. Tim a été approché par les enquêteurs parce que c'est lui qui l'a découverte et qu'il y a eu des spéculations suggérant que malgré la fin de leur relation, Tim aurait pu désirer un lien plus durable. À leur arrivée au chalet, les policiers ont découvert du matériel biologique de Tim sur une couverture recouvrant Krista. Bien que Tim ait nié toute participation, la police a fini par l'exclure des suspects. Compte tenu des relations amoureuses passées de Tim avec Krista et de ses séjours antérieurs au chalet, la présence de son matériel biologique sur la couverture n'était pas particulièrement surprenante. De plus, l'analyse médico-légale a révélé que le matériel biologique de Tim ne correspondait pas à celui trouvé sur le corps de Krista. L'enquête sur le meurtre de Krista Worthington a pris une tournure importante lorsque la police a exploré les liens potentiels avec des personnes proches de la victime. L'une de ces personnes était le père d'Ava, Tony Jacket. Tony, un homme marié, avait eu une relation extra-conjugale avec Krista. Lorsque Krista a découvert qu'elle était enceinte, elle a exhorté Tony à révéler la situation à sa femme, Susan. Finalement, Tony a informé Susan de l'existence d'Eva et de sa liaison. Krista n'a pas insisté pour que Tony quitte Susan, mais lui a demandé de l'aider à subvenir aux besoins d'Eva. Ils ont conclu un accord sur la pension alimentaire et Tony a également consacré du temps à Eva. Sa femme était très indulgente. Elle lui a pardonné et a même accueilli Eva dans sa vie. Tony et Susan ont tous deux coopéré avec la police, Tony affirmant qu'il n'avait aucun motif de faire du mal à Krista. Susan a corroboré son alibi, indiquant que Tony était avec elle au moment du meurtre de Krista. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le laboratoire criminel procède à des tests ADN un an après le crime. De manière surprenante, l'ADN de Krista ne correspond ni à celui de Tim, ni à celui de Tony, ni à celui d'aucune autre personne précédemment interrogée. L'affaire semblait bloquée, laissant la possibilité au meurtrier de Krista d'échapper à la justice. Cependant, la police a persévéré et, 3 ans après le meurtre, elle a pris une mesure audacieuse en demandant des échantillons d'ADN volontaires à presque tous les habitants de la région. Cet effort méticuleux a porté ses fruits et a permis de faire avancer l'affaire. L'analyse de l'ADN a permis d'établir une correspondance. Christopher Chris McCowan. Son ADN a été retrouvé au domicile de Krista et sur les parties génitales de Krista, prélevées au cours de l'enquête. Chris travaillait pour une société d'élimination des déchets et la police a découvert que tous les jeudis, il enlevait les ordures à l'extérieur du chalet de Krista. Lors de l'interrogatoire de police, Chris a affirmé qu'il ne connaissait pas Krista. Selon lui, ils n'ont jamais eu de conversation, mais il a mentionné des gestes amicaux occasionnels, comme un signe de la main, lorsqu'il ramassait les ordures. Cependant, au fur et à mesure que la police avançait dans son enquête, des incohérences sont apparues dans les déclarations de Chris. Bien qu'il ait d'abord nié toute interaction avec Krista, la police l'a informé que son ADN avait été retrouvé sur le corps de la jeune femme. Confronté à cette preuve, Chris a modifié son récit, admettant que « ça aurait pu être moi ». Pressé de révéler la vérité, Chris a commencé à raconter sa version des faits. Selon son nouveau récit, la nuit du vendredi 4 janvier, il était fortement alcoolisé et buvait sur le parking du Juice Bar avec un ami nommé Jeremy Frazier. Chris a déclaré qu'il était « ivre-mort » à ce moment-là. Il a affirmé que Jeremy l'avait ensuite conduit à Denis pour rendre visite à la mère de son enfant et qu'il y était resté entre 40 et 60 minutes avant de retourner au Juice Bar. Après avoir été interrogé à plusieurs reprises, Chris a fini par admettre qu'il avait eu une relation intime avec Krista la nuit du 4 janvier, mais qu'il s'agissait d'une relation consensuelle. Interrogé par la police sur la manière dont il était arrivé au chalet de Krista, Chris a affirmé que Jeremy l'y avait conduit, ajoutant que Jeremy l'avait accompagné à l'intérieur. Chris a déclaré à la police que Krista et lui avaient eu des rapports sexuels dans le couloir près de la cuisine où son corps a été découvert plus tard.
Il a également mentionné la possibilité d'avoir eu des rapports sexuels dans le salon à un moment donné. Selon Chris, tout s'est bien passé par la suite et il a même donné son numéro de téléphone à Krista. Cependant, la situation a dégénéré lorsque Krista s'est énervée en voyant Jeremy fouiller dans SC's affaires. Elle a commencé à leur crier dessus alors qu'ils essayaient de partir. Chris a donné à la police des versions différentes de ce qui s'est passé après avoir quitté le chalet. Chris a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le chalet, Krista les avait suivis à l'extérieur et avait confronté Jeremy dans l'allée. Jeremy aurait réagi en lui donnant plusieurs coups de poing. Lorsque Krista a reculé dans le chalet, Jeremy l'a poursuivi et a continué à l'agresser en lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises. Chris a affirmé que, lors de cette agression, il était assis dans la voiture de Jeremy. Lorsque Jeremy est retourné dans la voiture, Chris a affirmé qu'il l'avait informé que Krista contactait la police depuis l'intérieur de son chalet. Selon Chris, Jeremy s'est alors précipité vers le chalet et a enfoncé la porte d'entrée à coups de pied. Chris a déclaré à la police que Jeremy avait passé environ 10 minutes à l'intérieur, pendant lesquelles Chris était resté dans la voiture, inconscient des événements qui s'y déroulaient. Cependant, lorsque la police s'est montrée sceptique, Chris a modifié son récit. Il a admis qu'il n'était pas dans la voiture de Jeremy lors de l'agression initiale, mais qu'il avait participé activement à l'altercation. Chris a avoué avoir frappé Krista au visage et à la poitrine, lui faisant perdre connaissance. Lorsqu'elle est tombée, sa tête a heurté le gravier de l'allée avec une telle force que, selon Chris, le son est resté gravé dans sa mémoire. Malgré cela, Chris a reconnu que la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Il a révélé à la police qu'ils avaient poursuivi l'agression, déclarant « Nous lui avons mis les bottes ». Par la suite, Chris et Jeremy ont traîné Krista dans le chalet. Chris a affirmé qu'il avait joué un rôle dans le fait de battre Krista et d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas tué. Il a attribué l'acte fatal à Jeremy, affirmant que ce dernier avait poignardé Krista à la poitrine avec un couteau provenant de sa propre cuisine. Interrogé sur la contradiction potentielle de Jeremy ou sur la possibilité pour Jeremy de fournir un alibi, Chris a admis « Alors, tout est de ma faute ». Cependant, Jeremy a raconté une autre histoire à la police. Il a confirmé avoir été avec Chris au Juice Bar le vendredi soir et l'avoir conduit à Dennis. Selon Jeremy, il est retourné au Juice Bar et a participé à une fête à East Ham avec un ami qui a corroboré le récit de Jeremy. Jeremy a affirmé que Chris était également présent à la fête, mais qu'il s'y était rendu séparément dans un autre véhicule. Il a déclaré qu'il était resté chez un ami cette nuit-là, ce que son ami a vérifié. En outre, l'ADN de Jeremy n'a pas été retrouvé sur le corps de Krista, ce qui a incité la police à croire la version des faits de Jeremy. Chris devait répondre de graves accusations, notamment de meurtre au premier degré, de viol aggravé et de cambriolage aggravé. L'accusation a soutenu que Chris avait agi seul, affirmant qu'il avait violé, brutalement attaqué et poignardé Krista. Des preuves irréfutables ont été présentées à la cour, notamment des analyses ADN qui ont confirmé de manière indiscutable l'implication sexuelle de Chris avec Krista. L'accusation a souligné que les déclarations de Chris à la police faisaient partie intégrante de son dossier. Selon l'accusation, le vendredi soir en question, Chris avait beaucoup bu avec des amis et, à un moment de la nuit, poussé par le désir d'avoir des relations sexuelles, il se serait rendu au chalet de Krista à demi-seconde du matin. L'accusation a fait valoir que Chris et Krista n'étaient pas en couple et n'avaient jamais été ensemble auparavant. Ils ont soutenu que Chris, sachant que Krista vivait dans le chalet avec sa fille de 2 ans, s'est rendu chez elle où il l'a violée, agressée et lui a infligé une blessure à la gorge qui a entraîné la mort. Le médecin légiste a témoigné, révélant que la cause du décès de Krista était un coup de couteau à la poitrine. Le médecin légiste a également informé le jury que Krista avait subi des contusions au nez et à la poitrine, ainsi que des abrasions au visage, aux mains, aux bras et aux jambes. En outre, elle souffrait d'une hémorragie interne au niveau du crâne, ce qui correspond à un choc contondant. Sus Détail dresse le sombre tableau d'une agression brutale. La défense a plaidé l'innocence de Chris, exhortant le jury à ne pas tenir compte des déclarations qu'il a faites à la police en raison de son manque d'intelligence et de sa vulnérabilité. Les avocats de Chris
ont fait valoir que, compte tenu de ses capacités cognitives limitées, il n'avait pas compris la situation après son arrestation. Ils ont insisté sur le fait qu'il avait consommé des substances illicites, suggérant que ces substances le rendaient susceptible d'être manipulé par la police. L'avocat de Chris, Bob George, a mis l'accent sur la race, la classe sociale et les limites intellectuelles de son client, le décrivant comme une cible facile pour les forces de l'ordre. Bob a soutenu que les déclarations devaient être considérées comme de faux aveux, reprochant à l'enquête d'avoir négligé certaines pistes et de ne pas avoir identifié certaines empreintes de pieds et de paumes. La défense a contesté la notion de viol, estimant que toute activité sexuelle aurait pu être consentie. Bob a suggéré que Chris et Krista auraient pu avoir une relation consensuelle et que les preuves ADN indiquaient simplement un contact sexuel volontaire pendant le ramassage des ordures par Chris. Chris n'a pas témoigné au cours du procès. Le jury a déclaré Chris coupable de meurtre au premier degré, de viol aggravé et de cambriolage aggravé. Avant le prononcé de la peine, il s'est adressé à la cour, exprimant sa sympathie pour la famille de la victime, mais clamant son innocence. Malgré son plaidoyer, Chris a été condamné à 3 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.